Lorsque Brynn ouvrit les yeux, elle était sur le lit dans la cabine. Et Noël était assis à ses côtés, le visage soucieux. Rowan se tenait debout devant le lit. Brynn, comment vous sentez-vous? S'empressa de lui demander le capitaine. Bien, je suppose. Qu'est-ce que je fais ici? Demanda-t-elle en se redressant. Aïe, ma tête! Vous avez perdu connaissance en descendant du mât. Intervint Gowen. J'espère que vous n'êtes pas malade et que ce n'est pas grave. Non, tout va bien, je vous l'assure. Mais alors, que s'est-il passé? Insista Noël. C'est Brenna. Elle est entrée en contact avec moi par le biais d'un rêve, si j'ai bien tout compris. Un rêve? Mais vous n'étiez pas en train de dormir. Ce doit justement être pour cela que je suis tombée, parce que je n'étais pas en train de dormir. Et je pense qu'il fallait que ma conscience se libère temporairement pour que Brenna puisse me parler. Et alors, est-ce qu'elle va bien? Et votre fille? Elles vont bien. Elles ont rencontré les personnes qui leur offrent l'hospitalité et ont échappé aux soldats. Je lui ai dit que nous viendrons les chercher en chalut. Bien, voilà qui est rassurant. Et elle veut aussi que l'on mette des colliers dans la chaloupe. Elle pourrait localiser plus facilement son emplacement. Bien, je vais vous laisser récupérer un peu. Je ne sais pas quelle magie Brenna a utilisée pour ça, mais je vois bien que vous avez mal à la tête. Les deux hommes se retirèrent. Brynn soupira en se massant les tempes. Après tout, il était peut-être préférable qu'elle en profite pour dormir un peu, maintenant qu'elle était rassurée concernant sa fille. Au même moment, dans le tunnel de glace, Iskai retira ses mains des tempes de Brenna. Et ça va? Demanda-t-elle tandis que la jeune femme rouvrait les yeux. La seconde et Noël hocha lentement la tête. Attends un peu avant de te redresser, c'est plus prudent. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Ça va vite passer, ne t'inquiète pas. Alors? J'ai beau avoir tout entendu, je n'ai pas compris un seul mot, hormis les prénoms. Brynn était rassurée de savoir que sa fille allait bien. Elle m'a dit que quelqu'un allait venir nous chercher en chaloupe. Je lui ai dit de prendre des colliers, j'ai pensé que vous pourriez de fait m'aider à localiser la chaloupe lorsqu'elle arrivera. Tu as bien fait. Puis-je te poser une question? Libre à toi de ne pas répondre. En premier lieu, tu as pensé à quelqu'un d'autre, et subitement tu t'es tourné vers cette femme. Tu as donc décidé de ne pas établir de lien avec la personne qui compte pourtant le plus pour toi. Pourquoi? J'ai préféré tenir Brynn au courant. Gwendoline est sa fille, cela me semblait primordial de me tourner vers elle plutôt que vers Owen. Tu fais passer les intérêts des autres avant les tiens. C'est très bien, mais pense à toi de temps en temps. Je vais essayer. Brenna se redressa en se tenant la tête. Je ne pensais pas que l'après-coup était si douloureux. C'est parce que la personne que tu as contactée n'était pas endormie. Oh zut, j'espère qu'elle n'était pas en haut du mât, elle est vigie. La jeune femme se laissa retomber sur le lit, les mains toujours plaquées sur les tempes. « Je vais te laisser souffler un peu, » proposa Niskaï en se levant. « Rejoins-nous dès que tu te sentiras mieux. »« Merci. Merci pour tout. » La seconde des Noël profita de cet instant de solitude pour fermer les yeux et repenser à tout son parcours, à partir du moment où elle s'était réveillée à bord du Galeac Gorm. Depuis sa halte sur Sky, tout s'était précipité, laissant à peine le temps au répit. Egan Trocker savait que j'étais à Sky. C'est évident, mais comment? C'est à cet instant qu'elle réalisa. Mon collier. Tout a commencé depuis que j'ai retrouvé mon collier. Je n'avais pas vu leur flotte avant de le mettre. Tu parles toute seule? Demanda une petite voix. Brenna ouvrit les yeux et se redressa dans un sursaut. Gwendoline arrivait vers elle en sautillant sur un pied. Je me demandais pourquoi tu ne revenais pas. Et comme je comprends rien de ce qu'ils disent, je suis venue. La jeune femme s'assit et fit signe à la petite fille de s'asseoir aussi. Miss Kai m'a aidée à parler à ta maman, malgré la distance. C'est vrai? Comment elle a fait? Avec de la magie. Oh! Et tu peux pas le faire, toi? Non. Dis donc que nous n'avons pas tout à fait les mêmes... pouvoirs. Qu'est-ce que tu as dit à ma maman? Nous avons échappé aux soldats et que nous sommes en sécurité. Tu sais, le Galeac Gorm a dû s'éloigner du port pour éviter d'être attaqué par les soldats. Ta maman m'a dit que quelqu'un du navire viendrait nous chercher en chaloupe. Mais quand? Je ne sais pas, mais ne t'inquiète pas. Niska y saura quand la chaloupe arrivera. Elle nous préviendra et nous pourrons rentrer.
pourquoi on ne pourrait pas vivre ici, avec maman, le capitaine et Owen? Parce que ce n'est pas chez nous. Eldir et Niska sont venus ici pour être tranquilles. Ça va les embêter si d'autres personnes arrivent. Mais nous n'avons plus de maison. Où c'est chez nous? À bord du Gellacorn. Tu veux dire que nous n'aurons plus jamais de maison? Si par maison tu entends sur la terre ferme, je n'en sais rien. Mais dis-toi que nous avons une maison qui bouge, qui vogue sur les flots. Oui. Et un jour, j'aurai mon propre navire et je parcourrai toutes les mers et les océans, accompagné par des dauphins qui me suivront partout où je vais. Je ne te promets rien pour les dauphins, mais je t'apprendrai volontiers à tenir la barre. Merci, Brenna. Tu es la meilleure. Allez, viens, rejoignons les autres. Peu de temps après, sur le navire, Owen s'agitait à nouveau dans son lit, rêvant de courses-poursuites, de soldats, de coups de feu et de Brenna s'écroulant au sol, le dos criblé de balles. Non ! Cria-t-il en se débattant. Ne la tuez pas, je vous en prie. Brenna, Brenna, réponds-moi, ne meurs pas, reviens ! En entendant les cris dans la cabine d'à côté, Bryn se hâta de se relever et courut voir le jeune homme. Owen, réveille-toi ! Elle dut le secouer pour qu'il ouvre les yeux. Il était en sueur et des larmes coulaient le long de ses joues. Owen, calme-toi. Brenna va très bien. Comment tu le sais? Elle m'a parlé à travers un rêve. Je t'assure qu'elle va bien. Ne t'inquiète pas pour elle. Elle est bien en vie et ne s'est prise aucune balle. Tout va bien. Il s'assit en s'essuyant le visage. J'ai dû paraître bien ridicule. Non, Owen. Il n'y a rien de ridicule à rêver de quelqu'un à qui l'on tient énormément. Si ça te met dans un tel état, parce que tu aimes beaucoup Brenna. Ne dois pas raconter ça à mon père, s'il te plaît. Je n'en ai pas l'intention. Il ne veut pas que l'on soit ensemble, je le sais. Pourtant, je n'ai qu'une envie, être avec elle. Depuis le premier jour où je vous ai rencontrés tous les deux, j'ai tout de suite vu que tu avais des sentiments pour elle. Et tu vois, je n'ai rien dit. Tu sais où elle est? Pas précisément, mais avec Gwendoline. Elles ont été accueillies par des gens que je soupçonne être comme Brenna. Elle a dit que quelqu'un l'aidait pour me parler en rêve. Enfin, savoir qui elle est et d'où elle vient. À mon avis, elle ne veut toujours pas le savoir. Mais pourquoi? Elle se sent bien ici et n'a aucune envie de partir. Savoir d'où elle vient la comprendra un choix. Rester ici ou retourner d'où elle vient et crois-moi, elle n'est pas encore prête à entendre la vérité sur elle. Sinon, elle aurait accepté qu'Eden le lui dise. Brenna préfère s'épanouir ici plutôt que d'essayer à recoller les morceaux d'une vie dont elle n'a aucun souvenir et ne peut en vérifier la véracité. Il est vrai que vu dans ce sens, c'est compréhensible. Et je ne vais pas me plaindre qu'elle préfère rester ici. Pendant que j'y pense, elle veut que tu prennes des colis avec toi lorsque tu iras les chercher en chaloupe. Ça lui permettra de savoir où tu es et de te retrouver plus facilement. Entendu. Je me demandais justement comment faire pour les rejoindre sans savoir où elles sont précisément. Ne t'inquiète pas, avec Brenna, il y a toujours une solution. J'espère que maintenant, tu vas réussir à dormir sans cauchemar déçu. Je vais essayer. Merci, Bryn. Le jeune homme la regarda partir avant de se relaisser tomber sur le lit, perdu dans ses pensées. Un soupir d'aise s'échappa de ses lèvres. Il était rassuré et pensait déjà au moment où il pourrait à nouveau serrer Brenna dans ses bras. Il en manque beaucoup trop pour le peu de temps que nous sommes séparés. Réalisa-t-il. Je devrais peut-être me concentrer un peu plus sur la vie du navire. Mais depuis qu'elle est là, tout a changé. Ma vie a changé. Il se cala sur le côté, contre le matelas encore humide et frais, et ferma les yeux, rassuré que son ami aille bien. Ses cauchemars le laissèrent tranquille et il put enfin dormir paisiblement. Même le souvenir des spectres resta à distance. Bryn était parti se coucher, le cœur léger de savoir sa fille entre de bonnes mains et faisait complètement confiance à Brenna. Et Noël regardait le ciel qui se dégageait, laissant place au soleil. L'heure exacte commençait à lui faire défaut. Il savait que la nuit avait commencé, mais il ne savait plus depuis quand, et le soleil était bien parti pour briller plusieurs heures encore. L'entrechoquement de l'âme lui fit se retourner vers le pont de son navire. Darren et Angus s'entraînaient avec des sabres. Voyant qu'ils ne les tenaient pas bien, le capitaine descendit les rejoindre. Vous allez avoir du mal à pourfendre si votre prise en main est aussi approximative. Nous sommes plus habiles avec les armes à feu, mais nous ne sommes pas contre le fait que vous nous appreniez à nous servir de lame.
répondit Darren en inclinant la tête tout en tendant son sabre. Et Noël s'en saisit et après avoir fait quelques moulinets, il se mit en position. Regarde, tu dois être sur les bons appuis et tenir le manche plus proche de la lame. Ils passèrent pas loin d'une heure à s'entraîner et un sourire se dessinait progressivement sur leur visage. L'air frais les empêchait d'avoir trop chaud et un vent léger faisait danser leurs cheveux. Les deux frères étaient heureux et l'espace de cette heure, ils oublièrent tout leur tracas. Ce petit entraînement improvisé prit fin et ils descendirent tous les trois à la cale. En prenant des fruits, Angus fit une mine suspicieuse. Vous ne pensez pas qu'ils vont pourrir à force? Nous n'aurons pas le temps de tout manger. Pourtant, ils ont l'air de bien se conserver, observa son frère. Tous les fruits finissent par pourrir, mais certains se conservent plus longtemps, assura Noël en mordant dans une poire. Est-ce bon de ne manger que des fruits? Questionna le plus jeune des mousses. En ce qui concerne Brenna, ça ne fait aucun doute, affirma Darren. Cependant, je doute fort que nous restons en bonne santé très longtemps avec uniquement des fruits. Nous sommes habitués à manger de tout. Ce n'est pas le fait de ne manger que des fruits qui peut poser problème, mais de ne manger que ça du jour au lendemain. Répliqua Enoal d'un ton calme. Mais ne vous inquiétez pas. Dès que nous le pourrons, nous irons chercher autre chose. En attendant, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Ils finirent de manger en silence. Les deux frères remontèrent sur le pont tandis que le capitaine regagna sa cabine. Il s'assit et lâcha un long soupir. Cela ne faisait pas encore un jour entier que Brenna n'était plus à bord et pourtant... un sentiment de vide grandissait en lui. Il fut obligé de l'admettre, la jeune femme était indispensable au galet à Gorm, maintenant que son ancien équipage n'était plus. Jamais il n'aurait pensé qu'une autre personne que lui était plus importante pour le bon maintien des choses. Qu'est-ce que l'on va faire quand elle décidera de partir? Qu'est-ce que je vais faire? Et Noël se retrouva tiraillé au milieu de ses pensées et finit par s'assoupir. Mais les spectres ne lui laissèrent pas de répit et varanter ses rêves. En se redressant brutalement, le capitaine réalisa qu'il s'était endormi. Il faisait toujours jour et il n'avait aucune idée de l'heure qu'il était, ni combien de temps il s'était plus ou moins reposé. Le capitaine se sentait déboussolé, presque perdu. Il sortit de la cabine et ses pas l'emmenèrent vers celle de son fils. Après avoir frappé quelques coups, une voix lui dit d'entrer. Je ne te réveille pas? Non, ne vous inquiétez pas, répondit Owen qui était assis sur son lit, en train d'admirer les flots qui scintillaient avec le soleil. Gwendoline et Brenna vont bien. Elles sont à l'abri des soldats. C'est. Brenna est venue m'en informer. Ça n'a pas l'air d'aller. Je dois bien avouer, mon fils, que je ne parviens plus à trouver de sommeil réparateur depuis notre entrevue avec le navire à la faucheuse. Il faut juste voir le spectre comme de la brume et rien d'autre. Ou comme des petits nuages qui arrivent par-ci par-là. J'ai demandé à Brenna si ça lui faisait ça aussi et elle a répondu qu'elle n'avait pas eu peur des spectres. Elle ne suit que de la brume et qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur de la brume. Ça ne fait pas longtemps que je suis réveillé et je n'en ai pas rêvé. Intéressant cette façon de voir les choses. Et elle me l'a dit aussi. Il est vrai qu'en soi, il ne s'agit que d'une matière flottante et dispersée. Bon, je tâcherai de les voir de cette façon dorénavant. Quand pourrons-nous aller chercher Brenna et Gwendoline? Dans quelques heures. Mais hors de question que tu y ailles tout seul. Gowan viendra avec toi. Je n'ai pas la force de ramer un aller-retour tout seul. Et Noël finit par retourner sur le pont. L'ancre étant toujours baissée, il s'accouda au bastingage en regardant les vaguelettes lécher la coque de son navire. Il espérait de tout cœur que son fils et le mousse parviendraient à retrouver la jeune femme et la petite fille assez vite. S'il n'était pas capitaine, il y serait allé lui-même. Son regard était toujours perdu à la surface de l'eau lorsque des baleines firent leur apparition un peu plus loin avant de disparaître sous les flots. La nature est si belle, soupira-t-il avant de repenser au dauphin blessé par un grappin. Il faut vraiment que les massacres s'arrêtent. Les animaux ne méritent pas tant de maltraitance. Pour la première fois depuis bien longtemps, il s'accorda une longue pause à ne rien faire d'autre qu'admirer le spectacle offert par la nature. Un peu plus loin, dans la grotte de glace, tout le monde avait fini par aller dormir. Niskaï, Eldir et leur fille dans ce qui leur servait de chambre, tandis que Gwendoline et Brenna avaient assuré qu'elles dormiraient sur le sol moelleux de la pièce à vivre. Elles étaient côte à côte, enveloppées dans une couverture qu'Eldir leur avait prêtée pour ne pas qu'elles aient froid. Tout allait pour le mieux, il n'y avait pas un bruit dans la grotte de glace, tout le monde dormait. Mais soudain, Gwendoline se mit à hurler en se débattant. Brenna se réveilla en sursaut. « Que se passe-t-il ?» La petite fille s'était assise et essuyait les larmes qui ruisselaient le long de ses joues. Je...
J'ai revu le monsieur. Il frappait ma maman. La seconde des Noël se redressa et prit Gwendoline dans ses bras. C'était un cauchemar. Tout va bien. Tu es en sécurité et ta maman aussi. Je veux plus qu'il vienne. Sanglota-t-elle en reniflant. Il ne reviendra pas. Il est... mort, je sais. Mais il vient dans mes rêves. C'est la première fois que tu dors sans Brine ? La petite fille hocha la tête. Tu sais, tu as vécu beaucoup de choses en peu de temps. De bonnes choses, comme de nager avec des dauphins, et de mauvaises choses, comme ce qu'il s'est passé à Sursky. Quand ça ne va pas, essaye de penser aux dauphins. Peut-être que ça t'apaisera. Oui, tu as raison. Peut-être que je peux attaquer le monsieur dans mon rêve avec des dauphins. Je ne pense pas que ce soit si simple, mais tu peux toujours essayer. Qui ne tente rien à rien. Si ça t'arrive de faire des cauchemars. Oui, il m'arrive de rêver de la nuit où Enoal m'a trouvée dans l'eau. Je rêve que j'ai mal partout, que je ne peux plus bouger et que je suis en train de me noyer. Les rêves ne sont pas là par hasard, ils sont influencés par ce que l'on a pu vivre. J'espère que tu arriveras à te défaire de l'image de cet homme. Tu sais, si tu as besoin de parler de tout ce qui a pu se passer à propos de lui, je suis là. Je suis prête à t'écouter, et si besoin, à t'aider. Il me faisait peur. Il me semble te l'avoir déjà demandé, mais est-ce qu'il t'a fait du mal ? Non, il ne m'a jamais frappée. Il faisait comme si j'étais pas là. Il allait directement voir maman, et comme elle ne voulait pas, il se mettait à la frapper, à casser des choses. Et après, il repartait. Au début, maman restait couchée plusieurs jours et pleurait beaucoup. Mais après, elle se rhabillait une fois qu'il était parti et faisait comme si rien ne s'était passé. Brenna bouillonnait intérieurement. S'il n'était pas déjà mort, elle l'aurait étripé. Ça a vraiment dû être horrible. J'espère que tu arriveras à surmonter tout cela. Mais n'oublie pas, si tu as besoin de parler, n'hésite pas, je suis là. Il ne faut pas garder ce genre de choses pour soi. C'est pas moi qui a besoin de parler, c'est maman. Dès qu'elle est seule dans la cabine, je sais qu'elle pleure. Et dès que je rentre, elle fait comme si tout allait bien. Mais je vois que ses yeux brillent. Brenna se mordit la lèvre pour ne pas dire ce qu'elle avait en tête à ce moment-là. Elle avait très vite deviné que Gwendoline était la fille du second des Noël, mais elle n'était pas en droit de dire quoi que ce soit à la petite fille. Elle réfléchit rapidement à ce qu'elle dirait pour ne pas commettre d'impair et chassa cette pensée de son cerveau. Tu veux que j'essaye de parler avec ta maman ? Je ne sais pas comment, mais je tiens à vous aider toutes les deux. Je ne sais pas si maman voudra parler, mais oui, tu peux toujours. Peut-être qu'avec toi, elle ira mieux. Et toi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Tu pourrais m'apprendre à me servir d'une épée ? J'ai du mal à voir le rapport. Comme ça, je pourrais tuer tous les gens qui veulent du mal à ma maman. Brenna lâcha un soupir et caressa les cheveux de la petite fille. Gwendoline, le mot tuer ne doit pas être employé à la légère, et ce n'est pas la solution. Regarde à Torsham, nous aurions pu mourir toutes les deux avec Owen si les soldats avaient réussi à nous attraper. Tout cela parce que j'ai tué un homme en voulant sauver Owen. Même si tu tues pour sauver une vie, tu en ôtes tout de même une, et ça laisse des traces. J'étais terriblement mal après avoir tué le second des Noël, et même si ça vous a libéré ta maman et toi, ma conscience me disait que je venais de faire une chose horrible. Je ne sais pas si j'ai déjà pris la vie à quelqu'un avant, mais cet homme, c'était la première vie que je prenais depuis mon réveil à bord du Galagorm, et mon esprit est marqué à jamais. Tuer laisse toujours des traces, que ce soit physique ou moralement. Ne prends pas cela à la légère. Mieux vaut apprendre à se défendre qu'à tuer. C'est ce que Owen a dit. Tu voudras bien m'apprendre alors ? Et puis... les capitaines ont tous des armes, et comme je veux être capitaine, il va bien falloir que j'en ai une. Tu ne perds pas le nord, dis donc. Gwendoline étant calmée et à nouveau joyeuse, Brenna se recoucha et la petite fille fit de même en se blottissant contre elle. Mais la jeune femme ne put se rendormir. Elle repensa au second des Noël, aux soldats à Torsham et à Aël. Autant pour le pirate, elle s'était sentie très mal, mais en ce qui concernait à elle, elle n'avait rien éprouvé d'autre que la haine et la colère en lui prenant la vie. Un bruit un peu plus loin attira son attention. Voyant que la petite fille s'était rendormie, elle se leva doucement et regagna le couloir de glace en direction de l'endroit où elle était tombée plus tôt dans la journée, découvrant par accident ce magnifique endroit. Une silhouette se tenait appuyée au mur,
respirant difficilement. Biscay, ça ne va pas ? En deux enjambées, Brenna la rejoignit. La mère de Rann releva la tête. C'est toi. J'avais peur que ce soit elle dire. Que se passe-t-il ? Pour toute réponse, elle se pencha en avant et régurgita ce qu'elle avait mangé avant de s'agenouiller. Biscay, qu'est-ce que vous avez ? Êtes-vous malade ? Demanda la jeune femme en s'agenouillant à côté d'elle et en posant la main sur son épaule. Je ne sais pas. Je me sens si mal d'un coup, j'ai chaud et j'ai froid. J'ai la tête qui tourne. Je me demande si ça ne m'a pas épuisé de te faire communiquer avec ton ami. Jamais encore je n'ai été si mal après. Je suis tellement désolée. Tu n'as pas à t'excuser. Je tenais à t'aider et j'y tiens toujours autant que je le peux. Je ne veux pas que vous m'aidiez si c'est pour être malade après. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Juste, pas un mot à le dire. Je ne veux pas qu'il s'inquiète, alors que ce n'est rien. D'accord. Il aurait peut-être fallu attendre que Brynn dorme avant de communiquer avec elle. Je ne sais pas comment fonctionne votre magie, mais je suppose que vous avez dû en puiser plus pour que sa conscience se libère. C'est exact. Mais je ne pensais pas que ça m'affecterait de la sorte. Mais ne t'inquiète pas, c'est juste passager. J'irai mieux dans quelques instants. Je l'espère. Dis-moi, est-ce que Gwendoline va bien ? Vous l'avez entendu crier ? Supposa Brenna en soupirant. Je suis désolée si ça vous a réveillé. Ce n'est rien, je ne dormais pas. J'ai l'impression qu'elle a été traumatisée par un événement ou par quelqu'un. C'est exact, et elle en fait des cauchemars. Tu devrais retourner près d'elle. Mieux vaut que tu sois à côté d'elle lorsqu'elle se réveillera. Vous avez raison. Quissa la jeune femme en se redressant. Niskaï se releva aussi et lui emboîta le pas. Tu vois, ça va déjà mieux. Inutile de t'inquiéter. Les contre-coups de la magie sont parfois difficiles à cerner et à comprendre. Les premières fois que j'ai utilisé de la magie, je ne savais pas trop ce qui se passait, ni comment j'avais fait, mais après, j'étais épuisée, complètement vidée, parfois même à la limite de perdre connaissance. Malgré ta perte de mémoire, ton corps n'a pas oublié les pouvoirs en lui, mais il a oublié comment gérer le contre-coup. C'est à force de pratiquer que le corps s'habitue et parvient progressivement à tenir. L'eau aide beaucoup aussi. C'est pour cela que l'on commence toujours à découvrir ses pouvoirs et apprendre comment s'en servir dans l'eau. Ça épuise beaucoup moins. Cela paraît logique étant donné que l'eau nous soigne. Merci pour tout, vraiment. Tu ne veux toujours pas en savoir plus ? Non, vraiment, je me sens bien en ce que je pense être actuellement. Le jour où tu voudras savoir, n'hésite pas à venir me voir. Merci. Étant de retour devant la pièce à vivre, Brenna inclina la tête et alla se coucher. Niskaï retourna dans son lit, apaisée. À l'instant même où la jeune femme avait posé la main sur son épaule, ses nausées s'étaient atténuées petit à petit, et elles avaient désormais complètement disparu. Niskaï était certaine d'une chose, Brenna n'en avait absolument pas conscience et avait agi de façon amicale, sans penser une seconde que cela soulagerait ses maux. Le capitaine s'était assoupi, toujours accoudé au bastingage. Owen ne tenant plus, alla trouver son père afin de savoir s'il pouvait partir dès à présent, voyant le soleil remonter dans le ciel bleu. Il lui tapota doucement l'épaule, et Noah leva la tête en sursaut avant de voir son fils. Les doubles, j'espère que vous ont laissé tranquille. S'amusa Owen. Pourquoi ? Vous étiez en train de dormir. Le capitaine leva la tête vers le soleil. Il avait avancé dans le ciel et plusieurs heures s'étaient écoulées. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ni comment j'ai pu m'endormir ici. Qu'est-ce que tu veux ? Je pense que nous pouvons aller chercher Brenna et Gwendoline. La matinée est commencée. Il est temps, en effet. Parfait, je vais réveiller Gowan. Sans attendre davantage, Owen dévala les escaliers jusqu'à la seconde partie de la cale où dormaient les mousses. Gohan émergea rapidement et annonça qu'il allait préparer la chaloupe. En fait, Brune a parlé des cristaux. Il faut les prendre. Rappela-t-il avant de quitter la cale. Owen hocha la tête et se rendit dans sa cabine pour y ramasser les colliers avant de retourner à la cale prendre de quoi manger au cas où Brenna et Gwendoline auraient faim. Lorsqu'il arriva sur le pont, la chaloupe était déjà sur l'eau et Gohan attendait dedans. Pas d'imprudence.
rappela Enoal en retenant son fils par l'épaule. Promis. Owen descendit l'échelle et sauta dans la chaloupe. Gowen se mit à ramer. Quand tu commences à fatiguer, n'hésite pas à me le dire. Je prendrai la relève. Sans vouloir te vexer, je doute fort que tu puisses me relayer très longtemps. Soupira le mousse. Certes, mais c'est toujours mieux que rien. Niskaï et Eldir furent réveillés par leur fille qui grimpa sur le lit. En se redressant, la mère de Rand sentit de suite qu'un flux de magie se détacha du Galiagorn. Qu'est-ce qu'il y a ? Demanda Eldir en voyant Niskaï immobile, les yeux mi-clos. La chaloupe vient de quitter leur navire. Gwendoline et Brenna pourront repartir très bientôt. Pourquoi cette mine triste ? Demanda-t-il en posant la main sur la joue de sa femme. Il faut qu'elle parte, mais... Mais tu aurais bien aimé que Brenna reste. Elle ignore tant de choses. J'aimerais tellement lui apprendre à maîtriser sa magie. Elle a un flux magique plus élevé que la majorité des nôtres. Comme toi. Oui. En la voyant, j'ai l'impression de me revoir plus jeune. Elle a tout perdu. Pas de la même façon que moi, mais elle n'a plus de famille, plus de chez elle. Plus rien de ce qu'elle avait avant et tente de construire une nouvelle vie. Tout comme je l'ai fait, une fois sur la base d'ici. Bien que vos histoires soient très différentes, elles se ressemblent. J'espère sincèrement qu'elle réussira à se construire une vie aussi heureuse que la tienne. J'espère aussi. Même s'il a fallu des sacrifices, je ne pourrais pas être plus heureuse que maintenant. Ils se prirent dans les bras en soupirant de bonheur. Mais Raon n'était visiblement pas du même avis et tenta de les séparer. J'ai faim. Niskaï laissa échapper un rire et prit sa fille dans ses bras. Je crois qu'il est temps d'aller manger dans ce cas. Eldir hocha la tête et se leva, imité par sa femme, tenant toujours leur fille dans les bras. Une fois dans la pièce à vivre, Niskaï posa Raon par terre et la petite fille se rua sur Gwendoline qui ouvrit les yeux. Oh, coucou! On va manger! S'exclama joyeusement Raon en secouant doucement la fille de Brin. Quoi? C'est l'heure de manger. Traduisit Brenna en se réveillant à son tour. Tous s'installèrent à la table et Eldir leur tendit la corbeille de fruits. Ils mangèrent sans bruit, profitant de cet instant. Niskaï finit par rompre le silence. Nos amis sont en route. Ils ne vont pas tarder à arriver sur la côte. Déjà ? Lâcha Brenna malgré elle. Niskaï ne put s'empêcher de sourire en voyant que Brenna ne semblait pas être si pressée que cela de repartir. Visiblement, ils ont hâte de vous retrouver. Assura Eldir. Vous devez beaucoup compter pour eux. Et ils comptent beaucoup pour moi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans eux. Brenna se tut et regarda Gwendoline qui sautillait toujours sur un pied et suivait Raon pour jouer avec elle. Ne t'inquiète pas pour elle, murmura Niskaï qui avait suivi le regard de la jeune femme. D'ici quelques jours, elle pourra poser le pied par terre.